Salut, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dolly, bienvenue mes loulous sur GTA Online, on n'a pas 44 sur Xbox One. Dans un premier temps, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à aller voir le lien de Kevin by Apple, Rico666, mon ami Jocorp et mon poteau sa petite Gotti, ça me ferait super super plaisir pour leur soutien de leur chaîne. Et n'hésitez pas à liker, à partager un maximum ce live. Des glitchs arrivent en solo d'ici peu sur la chaîne, donc peut-être aujourd'hui ou demain, je verrai le temps que je vais avoir en fait pour m'arranger pour certains glitchs. Donc voilà, normalement je pourrais en poster un tantôt en solo bien sûr. Donc ben voilà, donc là on se retrouve pour, je vous avais dit, on va essayer de trouver tous les payotes. Donc là on est sur la payote numéro 3. Donc je vous avais présenté les payotes numéro 1 et 2. Ok, donc là je vais vous montrer l'endroit exact. Cet endroit là, c'est près du bâtiment, il y a un ranger qui s'occupe de tout ce qui est les animaux dans ce coin-ci. Et apparemment il y a un bâtiment qui se trouve juste là, vous allez voir, un bâtiment juste ici près de la route. Et c'est un ranger, c'est un bâtiment, un genre de truc local en fait, qui se trouve juste là en fait. Donc vous avez le lac ici, là où on trouve même dans ce bâtiment-ci, juste au-dessus, une pièce d'un vaisseau extraterrestre, bien sûr. Celui-là on le trouve juste ici, donc, comme ça je vous le dis en même temps. Je pense même qu'on va aller chercher ensemble, si j'ai déjà pas été chercher. Si j'ai été chercher, ben, on verra tout de suite après. Parce que je vais vous montrer aussi, je pense, les 50 pièces des vaisseaux à récupérer, les lettres de Leona Johnson, enfin bref. Ici, pour l'instant, nous, on est sur les peyotes. Donc, on va voir ensemble c'est quoi. Mais, à mon avis, à chaque fois que je m'approche d'une peyote, il y a un bruit bien distinct qui s'active au moment où on approche, ou alors qu'on n'est pas loin de cette peyote. Et vous allez voir le bruit que j'ai entendu. Vous allez voir. Donc là, je vais vous montrer dans un premier temps. Regardez, donc là, moi, je sais qu'elle est là. Ok, pas de souci. Ouais, vous allez voir le bâtiment. Regardez, c'est le bâtiment des rangers. En plus, c'est pas loin d'où Franklin, où il habite en fait. Franklin, il habite vraiment pas loin, il habite juste là. Déjà, il y a une pièce d'un vaisseau là, une peyote là. Il y a une peyote beaucoup plus bas ici, quelque part là. Je vous avais montré juste ici en fait, voilà. Là, il y a une peyote là. Il y a des peyotes un peu partout hein, ici. Je vous avais montré la peyote de la buse aussi qui se trouve juste ici. N'hésitez pas à aller voir le live d'avant. Je vous montre bien l'endroit, bien précisément, voilà. Si vous allez voir dans mes anciens lives, beaucoup plus bas, dans ma liste de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous verrez très bien que j'ai fait un live là-dessus, sur la peyote la buse. Je vous montre vraiment bien l'endroit, je vous explique où la trouver, enfin bref, voilà quoi. Je vous explique tout ça de A à Z. Donc nous ici, vous allez voir, donc là, vous voyez, c'est bâtiment des rangers station. Voilà, là on voit le ranger. Vous allez voir, là on voit son véhicule. Là, je pense que je vais le chourer après quoi. Je vais essayer de le foutre dans mon garage, et de faire une sauvegarde, comme ça j'aurai le véhicule. Donc ben voilà, quand donc vous avez le Vinwood, vous repérez un petit peu, hein, vous avez le petit chemin de terre qui est juste ici. Là je vous remonte sur la carte. Voilà. Comme ça vous avez le temps de faire un moment de pause sur le live. Bien voir où est la peyote. Je zoome à fond. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre le même point que moi. Vous allez voir. Et juste comme ça. Vous faites un point là, par exemple. Comme ça, tac. Hop. Et vous faites ça. Tout droit. Et vous allez vraiment bien tomber dessus, quoi. Ok. Ouais, c'est parti. On va aller voir cette peyote. Et vous allez voir, on va entendre un bruit. Je pense que c'est un bruit de sanglier. Voilà, vous avez entendu? À chaque fois qu'on s'approche, ça fait un bruit de sanglier. Donc à mon avis... Là, ça l'a fait une fois. Voilà, ça l'a refait encore. Bon ben on va voir, à mon avis, ben... Je pense que si c'est ça, que je me trompe pas, à chaque fois que vous approchez d'une peyote, vous allez avoir un son qui va se différer de cette peyote. Et apparemment, voilà, vous entendez? Et à mon avis, moi c'est un sanglier, si je me trompe pas. Allez, c'est parti. Oh non!
Oh non, c'est un cochon. Oh my god. Oh. Oh putain, ouais, comme tu dis. C'est le cas de le dire, t'es dans la merde. Oh la 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 la. Ah, il est bien gros, hein, celui-là. On va voir s'il fait pas un cri. Ah si, avec le stick analogique. Oh putain, c'est trop fort ça. Gros cochon. Hey, gros cochon. Hey, cours vite hein, quand même, gros cochon. Ouais, on va aller choper le ranger là. On va le choper hein. Ouais, si, gars, gars. Ouais, ouais. Oh putain, il va me tirer dessus ce con. Ouais, ouais, il va me tirer dessus. J'ai une étoile. Ah ouais, j'ai une étoile, il va me tirer dessus, quoi. Quel balle trinque, quoi. Ah, c'est pas possible, ça. Oh, salopard. Tu me veux, tu m'auras pas. Oh putain, tu m'as déjà tiré dessus. Attends, on va faire vite flèche de droite, là. Là, il me tire dessus, ce bâtard. Allez. Oh putain, et le FBI et tout, il va arriver ici maintenant. Et, oh. Je sais pas ce que c'est transformé en cochon, quoi. Ah, c'est trop fort, ça. Ah ouais, les hélicos, l'hélico, il arrive, là, déjà. Oh là là, mort de rire, quoi. Oh, mais c'est quoi ça pour des feux, quoi. Putain. Oh là là, les bâtards. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Vas-y, transforme-toi là, bisous. Oh non, je peux pas. Ils vont me tuer. Voilà, ils m'ont eu. Eh ben voilà, mes petits loulous. Donc là, ben, ce sera pour cette troisième période. Le cochon. Et voilà. Donc maintenant on va aller voir. Ouais, c'est parti. Je vais vous montrer la pièce du vaisseau extraterrestre. Si elle n'est pas là, c'est que j'ai déjà prise, mais à mon avis. Avec cette sauvegarde-là, je ne pense pas. On va faire ça. Hop. Et après, on va voler le. Ah, je pense que je l'ai déjà pris. Bah voilà, la pièce du vaisseau extraterrestre se trouve juste ici. Voilà. Ah, ben non, elle est là. Voilà. Voilà, 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 voilà. Nickel. Sans hélicoptère, c'est mort, les potos. À moins que vous avez une autre technique à mettre un véhicule là, mais je pense que. Oh, t'as pas envie de te poser là, poteau là. Voilà. Et voilà. Et en même temps, on a une pièce. Ah ouais, on a récupéré 3 pièces seulement. Pièce du vaisseau trouvé. Un vaisseau extraterrestre. Ouais, c'est parti. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens des poteaux Kevin by Apple, Rico 666, mon ami Joker et mon ami Fab Kick Gotti, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum, ça me ferait super plaisir. Et hop. Ah, il voulait faire le bâtard, là, attends 2 minutes. Il est où, mon mec? Ah, si je parie que la plus... Ah non, il n'y a pas que son véhicule, on va le... On va lui prendre son véhicule, tranquille. Normalement, c'est le 30, je pense. Ah, oh, c'est le 30. Regardez le 4x4 Ranger, il est beau, hein.
Park Ranger. Ouais, Park Ranger. Il est censé protéger les animaux et il se fait de défoncer le cochon là. Bon bah allez, on va aller mettre la voiture du Ranger dans mon garage. Tranquille, bon, il y aurait quelques véhicules spéciaux hein, sur GTA qui sont pas mal. Moi j'aime bien les véhicules de police et les véhicules du SWAT, etc. Et bien sûr d'autres véhicules. Normalement j'ai une comète là-dedans, je crois qu'on ne pourra pas la mettre. Je pense pas qu'on pourra mettre ça. Non, on pourra pas la mettre, c'est pas grave. On va laisser là, on sait jamais avec la sauvegarde. Je refais une sauvegarde. Et... normalement c'est des emplacements de véhicules donc. Ça c'est un bac hein ça. Ça c'est vraiment l'équipe 4 comme j'aime bien quoi. C'est comme les Range Rover là et tout. Hein. Hop là. Ouais c'est bon là. Hop. Petite sauvegarde. Allez les potos, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les loulous. Merci de m'avoir suivi. Bisous bisous. Ciao ciao. Ciao. Baby, oh, check it out.